On a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes? Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous. Mais elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on doit écouter ceux qui ont du talent, qu'ont des tripes, qu'ont des couilles, qu'ont la dalle, ces petits auteurs gratteurs de guitare accablant. Nous ce qu'on veut c'est du beau, c'est du brillant, c'est du propre, c'est du lisse, c'est du sublime. Nous ce qu'on veut c'est le retour des belles gueules pour remplir le papier glacé des magazines. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on écoute les paroles des chansons? On a perdu la notion des beaux mâles, l'époque où on lançait de très beaux garçons. Tu sais écrire des paroles c'est très bien, mais ton petit grain de voix on s'en fiche. S'il te plaît va donner tes chansons à celui qui sera plus joli sur la. Il faut des gens beaux. 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 On a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur. Aujourd'hui, les gens qui réussissent, qui font carrière, c'est tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui jouent du piano. Eh hey monsieur, toi qui veux retourner au noir et blanc, aux belles heures du passé. Je suis pas sûr que le grand Charles Aznavour pouvait correspondre à tes critères de succès. Je suis pas persuadé qu'Edith Piaf possédait de belles jambes élancées, qu'elle allait défiler sur des beaux podiums avec des grandes marques de talons compensées. Eh hey monsieur, toi qui es nostalgique, des chanteurs bien foutus, des bimbos. Faut que tu saches un secret important, c'est que Brassens n'avait pas de beaux abdominaux. Les auteurs, compositeurs, chanteurs ne sont pas forcément des imposteurs. Tu sais monsieur, parfois il faut se taire. Moi je veux voir Hoshi sur un poster. Il faut des gens beaux. 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 Très beau garçon. Il faut des gens beaux. Vous êtes sûr? Ouais, je suis sûr. Et vous, vous êtes sûr? Oui. Bon, on peut démarrer. Je vous ai préparé une petite mixture avec le cheveu de l'autre à l'intérieur. Vous allez boire cette mixture et vous allez switcher. Vous allez changer de corps. Vous allez vous réveiller demain dans le corps de l'autre. C'est une expérience exceptionnelle. Okay. Et ça fait Zumba Caféo. Caféo Carnaval. Et ça fait Zumba Caféo. Caféo Carnaval. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas la formule magique, ça. Mais non, ça c'est la musique qui cartonne en ce moment. J'écoute en boucle. Et je faisais ça parce que j'avais froid au bout des doigts. D'accord. Mais là, dans la marmite, c'est la potion magique, ça. Mais non, ça c'est une chorba, ça. C'est un plat algérien chargé d'oligo-éléments. Donnez-moi vos assiettes. Bon, il est 8h du mat. Il n'y a pas d'heure pour manger la chorba. La chorba, ça se mange à pas d'heure. Entrée, plat, dessert, digestif, chorba. Tu sors de boîte de nuit, pas de kebab, chorba. Bon, je vais vous préparer un tiramisu. Framboise, fraise, beurre de guérande, huile d'olive, ziti. Une nuance vue de l'intérieur. Vivre cette chance pendant 24 heures. L'ultime nuance vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24. J'enverrai un mail au taf en faisant les courses à Carrefour. J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Avec eux, je serai joyeuse avec mon mec femme fatale. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Vu qu'après, quand t'es une femme, t'es plus payé. Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton porc. Excuse-moi. Excuse-moi. Eh mais tu veux quoi là? Putain, casse les couilles. Excuse-moi. Je boirai du whisky pour me mettre à l'aise. Sans coca, sans glaçon comme les mecs balèzes. J'irai draguer une fille mais y'aura pas de malaise. J'enverrai pas texto qui dit c'est quand qu'on baise. Je serai romantique avec les meufs sur Tinder. Pas de dick pic, des cœurs de
histoire. Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir. Et dès qu'elles sont parties, les critiquer elles aussi. Fanny est vraiment chiante, Solène elle a grossi. Je veux découvrir enfin le singulier bonheur de réussir à faire un créneau en une demi-heure. Comprendre enfin la passion sincère, sans censure, de regarder sur internet pendant des heures des chaussures. Tout de suite ces petites galères au féminin, l'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main, les talons hauts, le vernis à ongles et les rappels mensuels du corps. D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor. Je pourrais ne plus me raser, personne dira que c'est dégueu. J'aurais plus mal au ventre, à gna gna de mes deux. Je dirais bonjour patron sans qu'il me dévore des yeux. Dealer l'augmentation sans dîner amoureux. Devant ma PS4 pendant que ma meuf plie en quatre. Je mettrai pas la table, c'est pas la fin du match. Je pisserai sur le trottoir comme le petit chien de la voisine. C'est l'avantage de la physiologie. Désolé, ça a mal ressouti. Problème de mélange de cheveux. Vous avez kiffé quand même? Ouais, on a kiffé, mais j'aurais préféré rater dans mon corps, parce que là... Et toi? T'as kiffé, toi? Putain...